tous, preuve qu'il y a une vie au-delà du mondial de foot. Ça se passe ici ce soir au Stade de France et c'est la finale du championnat de France de rugby entre l'équipe de Biarritz Pays Basque et l'équipe d'Agen que nous avons le plaisir de vous commenter, Thierry Lacroix et moi. Bienvenue à tous pour la grande fête du rugby dans un stade archi-comble, très coloré, rouge et blanc, vous reconnaîtrez les supporters basques, blanc et bleu, vous reconnaîtrez les supporters d'Agen. C'est une finale 100% Aquitaine, c'est une finale inédite, mais les deux finalistes, Thierry Lacroix, méritent bien de se retrouver ce soir sur la pelouse du Stade de France. Oui, énorme saison de la part d'Agen et de Biarritz, avec des demi-finales que vous avez vues remarquables. Et puis là, c'est pas le fait du hasard, on n'arrive pas en finale comme ça, par un coup de dé. Quand on est physique comme il l'est, Thomas, on avance toujours à l'impact. Gonzalez a fait la remise en jeu, Versailles a pris cette balle. Alors touche en course, ça ne vous permet pas de jouer très vite au large, vu que les troisième lignes en face sont libres et peuvent monter sur le 10. Voilà pourquoi on fait une cocotte côté Biarro. Orlaes pour Perrelong, Roff. Double sauté, brusque intérieur. Qui redresse sa course, il y a des cannes qui se fait plaquer à une dizaine de mètres de la ligne d'essai d'Agen. Allons toujours pour Biarritz, Betsen. Sollicité Roff tout de suite, passe pour Bernat Sall, auteur de l'essai Biarro en première mi-temps. Oui, mais isolé, renvoyé chez lui, et Agen qui avance, et c'est Agen qui récupère la balle. Et oui, on a joué toujours au même sens. Côté Biarritz, on leur joue très large, et encore très large, ça veut dire qu'il manque de soutien. J'ai dit Bernat Sall, j'ai pété un pont, c'était Millière. C'était Millière, oui. Ils ont un peu la même chevelure. Enfin, il n'avait rien à faire ici, Bernat. Oh, il est bien, hein, il est polyvalent, il bouge beaucoup dans la ligne. C'est pas encore du pilier, mais ça peut venir. Ça peut venir. En fin de carrière, comme ça. C'est la sangria, ça. Bon, ne dites rien, ça. On met les tournées par Biarritz. Est-ce que je vous ai vu tout à l'heure? Pendant ce temps, Monsieur Méné, donc. Logique. On n'a pas sorti la balle côté Agen, on a tourné la mêlée pour justement techniquement perturber ses sorties côté Biarro. Et on aura le ballon à l'exposition. Attendons-le. Allez, mêlée fermée dans les 22 mètres d'Agen. Introduction Morlaes. Morlaes formé à Mont-de-Marsan, passé par Dax, Castres. Chute. Et maintenant, demi de mêlée titulaire de Biarritz. Chute. Se renforce la saison prochaine à ce poste avec Kiachvili, le fils de l'international tuliste. Remise en jeu, non, qu'essayait de faire très très vite Morlaes. Monsieur Méné a dit non. Mais c'est pas une Méné. Voilà. Charge. On va revenir au jeu. Gonzalez, le capitaine Biarro. Morlaes. Charge de Thomas Liévremont, immédiatement plaqué. Morlaes pour Isaac. Isaac qui redresse bien sa course, l'international à 7 australien. Derrière, Robo, derrière. Morlaes, Roff, il était attendu. Ballon toujours pour les rouges. Millière, Versailles en soutien. Quel rideau à Genève, on alimente toujours par l'intérieur. Le ballon est long à sortir, on s'est replacé, il faudra pénétrer. Voilà, brusque, pour resserrer cette défense. On reviendra à la faute. Faute. Et il y a une explication entre Versailles et Benetton. Benetton a pris un marron, mais c'est Versailles qui se fait sanctionner. On joue au sol, les bleus. Non, Monsieur Pouveau ne signale rien, donc ça sera une faute parce qu'on a gratté la balle au sol côté Agenais. C'est plutôt l'arrêt, quand on est au sol, on n'a pas le droit de s'occuper du ballon. Le joueur qui est au sol, c'est Konrad Stolz, le trois quarts centre sud-africain de l'équipe d'Agen, dont le grand frère. Donc plutôt le petit frère, mais qui est très grand. Ouais, Pierre. Qui joue deuxième ligne, portera les couleurs de Bordeaux la semaine prochaine, d'après ce que j'ai lu. Pierre, oui. On va profiter pour demander un petit mot à Patrice Lagisquet. Patrice, cette sortie des vestiaires a été tonitruante pour le BO. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps aux joueurs? Bon, non, on leur a demandé de continuer à jouer, mais surtout il fallait qu'on arrive à régler le problème du jeu au pied, parce qu'en fait on a chaque fois subi la pression de Titou à la maison. Et on leur a demandé de chercher un petit peu plus des touches. Bon, on a bénéficié d'une pénalité immédiatement qui nous a permis de nous installer dans le camp d'Agen. Mais bon, c'est quand même difficile. On essaie de mettre du volume de jeu, mais on manque un petit peu de changement de rythme. On manque un petit peu de pénétration et d'enchaînement rapide pour essayer d'aller derrière la ligne.
Alors pendant que le jeu est arrêté, que se manifestent les supporters, que se passe-t-il Jean Veillou? On a demandé un changement du côté d'Agen, c'est Conrad Stoll qui va sortir et c'est un fidèle du SUA, Guillaume Bouic, qui va le rentrer dans, au centre de l'attaque à Genèse. Bouic. Avec le numéro 22. Oui, Guillaume Bouic international, faut-il le rappeler. Exactement. À Bordeaux contre l'Australie. Il a toujours porté le maillot d'Agen en plus. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est un fidèle parmi les fidèles, Guillaume Bouic, qui va donc remplacer Conrad Stolz. Pourtant, il est costaud, hein, Conrad Stolz. C'est le moins que l'on puisse dire. Champion de France avec le Stade français en l'an 2000, au poste d'arrière, je le rappelle. Qui a joué le Super 12 avec la province sud-africaine. Mais il est KO debout, là, je pense, en ce moment. Et un Springbok KO. Voyez comment ça finit. Ça finit dans les bras de deux soigneurs. Il vaut mieux le remplacer. Et c'est donc Guillaume Bouic. C'est pas du tout la même morphologie, hein, Thierry. Ah non. On va rechercher plutôt la déviation. On va pas chercher le contact physique. On va chercher les intervalles avec Bouic. Un gabarit un peu plus fluide dans les passes. Un gabarit d'appui, de jus, plus que de physique. 6e minute de la deuxième mi-temps. L'occasion d'égaliser pour Biarritz. Eh bien, c'est raté. Toujours 3 points d'avance par conséquent pour Agen. Alors cette finale va-t-elle se jouer avec la réussite ou non des buteurs? Le choc frontal et le front de Conrad Stolz a vraiment été touché. Il est complètement KO, on vient de l'allonger sur le bord du terrain. Ah oui, je vois ça, oui. Ouais, il a le front. Ouais, il est en état de récupération enfoncé. Là. Il est mal en point. Revenons au jeu. Alors qu'on évacue Conrad Stoss et qu'on salue, joueur d'une gentillesse d'ailleurs très 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 appréciable. Tandis que Titou la maison s'apprête à faire cette remise en jeu pour Agen, donc qui vient de remplacer son centre par Guillaume Bouic. Réception brusque. Allez, il faut y aller sur cette balle. Il y va bien. Pour la brousse. Oui, prenez deux. Benetton. Oui, Benetton qui est toujours là. On a plongé côté Agenais. On a gardé le ballon au sol côté Philippe Benetton. Il y a un bleu qui plonge quand il arrive au soutien. Donc il y a deux fautes des bleus. Oui, le 4. Le 4 rouge. On garde le ballon au sol et il y a un peu jaune derrière. Là. Changement de joueur. Versailles est remplacé par Norrois. Versailles qui sort là, alors qu'on revoit cette réception de la brousse pour Agen avant la faute. Donc Norrois remplace Versailles. Norrois formé au Biarritz Olympique, mais d'un père catalan. Ah. Ils sont présents encore aujourd'hui au stade de France. Passionnés de rugby qui sont. Voici Norrois, toujours en 8. Jouer deuxième ligne. Et là. C'est au poste de deuxième ligne, hein, Thierry Blanco qui va jouer. Absolument. Allô. Oui, oui, Pierre, absolument. Il rentre au poste de deuxième ligne. Allô, je disais. Enfin, c'est un. Oui. Ça pourrait être un bon troisième ligne aussi. Hein. Ah, allez, je rentre l'occasion d'égaliser là. Tendu le coup de pied. Est-il dans l'axe? Oh, le poteau! Il y a Shkoumoun, Rof en ce moment. D'ailleurs, je salue mon ami de Carcassonne, monsieur Shkoumoun. Manas qui récupère la balle. Mais il n'a pas de chance en ce moment, c'est vrai. Hein. On voit 22 mètres pour Agen. Eh bien oui. Eh bien oui, ça fait deux occasions de perdu pour Biarritz. Deux occasions qui peuvent peser cher à la fin. Et cette trajectoire et ce poteau. Vous ne pourriez pas l'être un petit peu plus fin, s'il vous plaît. Allez, Ramallon de Titou la maison. Vous voyez ça, on est dans une période un petit peu de temps faible puisqu'on a récupéré des efforts la première mi-temps. Et là, on va remettre la sauce de part et d'autre. Brusque, derrière ses 22. Garde le pied. Loin, en touche, dans le camp d'Agen. Brusque, depuis le début de la partie, tous les coups de pied qu'il met, c'est de qualité et ça traverse le terrain. Ah oui, il rassure hein, quant à son état de santé. C'est ça que doit être en arrière. Là, je crois qu'il doit rassurer. Hein. Que tous les entraîneurs qu'avec qui sont passés dans les clubs, il faut que l'arrière il rassure. Hein. Et Patrice Lagisquet qui vient de dire, ça y est, le message est passé, on cherche les touches maintenant. Ah. Oui. Oh, demain qu'il est passé. Heureux pour faire le lancement.
Dupé n'a pas contrôlé cette balle. Récupéré par les Agenais. Eh oui. Allez, Morlaes derrière. Superbe coup de pied de la maison du pied gauche. Et la balle est sortie en touche dans le camp des Agenais, des Biarro. La brousse n'a pas pu contrôler. L'opportunité. Et l'arrivée, c'est Krenka, comme d'habitude. Gratteur et récupérateur. Quel jus. Et la pression qui part en mêlée. Il est encore là pour chipper les ballons, pour jouer dans le jeu. Raison de dire quel jus, c'est un électricien. Car il n'est pas professionnel à 100%, Krenka. J'avoue qu'il est plus réactif. Il est électricien à la ville d'Agen quand il ne joue pas au rugby. Chandelle. Il est droit. Gilles, on va au saut, récupère la balle côté Biarro. Mat. Bien là, d'abord. Sifflé par Monsieur Méné. Ça sera une mêlée. Mêlée légèrement dans le camp de Biarritz. Voilà, je vous annonce que Thomas Lévremont s'était fait. Il me semble que c'était fait un petit peu mal, mais ça a forcé dessus avec Mathieu aussi. Il y en a un avant bleu qui peut. Et Thomas Lévremont qui a été longtemps incertain, lui aussi il avait été blessé lors de la demi-finale. On a craint le forfait, mais comme je dis, comme je le rappelle souvent, une finale, ça se joue. Brusque, plaqué juste devant la ligne médiane, légèrement dans le camp de Biarritz. Morlaes pour Perrolon qui sollicite Millière, Millière maintenant pour Off, redoublé avec Millière, coup de pied à suivre de Millière. Et la balle directement en touche et j'annonce en même temps une chute. Chute le long de la ligne de touche de l'arbitre assistant, Monsieur Pruvot qui se relève et qui va bien, merci. Ah, là du côté Agenais, on voit, ça va moins bien, qu'est-ce passe-t-il? Un gros souci pour Philippe Benetton. Le guerrier de ce pack, Philippe Benetton qu'on est en train de soigner et ça me donne l'occasion de saluer ce vieux guerrier, ce vieux pote, 34 ans, au cours de sa carrière, rendez-vous compte, Philippe Benetton ici. Il a joué à 8 postes, il a joué au centre, trois quarts centre contre l'Australie en 90. Il a joué ailier contre l'Afrique du Sud en 97, c'était le match désastreux. Vous vous souvenez, Thierry Lacroix du Parc des Princes, en fin de match, il avait joué ailier. Et cette année, contre Rovigo, il avait joué demi de mêlée, Philippe Benetton. C'est vraiment l'homme à tout faire du SU Agen. Il a encore un match après celui-là. Capitaine courage. Ah oui, allez-y Jean. Oui, il a le jubilé de Marseille-Sillon le 7 juillet à Bourgoin. Oui, puis il a encore une saison parce qu'il a re-signé pour une saison au moins. Exactement. Au moins avec Agen. Et peut-être deux si affinité. Allez, nombreux, Marseille-Sillon. Extraordinaire joueur. À cousiner. Et Barreau a bien servi, Bouic. La faute de force croisée. Récupération du ballon en avant. Oui, la Forgue était là en embuscade, mais il y avait un en avant. On voyait depuis, les intentions ont changé de jeu de part et d'autre. On avait fait du jeu très au large sur le premier main côté Biarro, du jeu un peu plus près des phases dynamiques ou statiques, ou d'impact plutôt côté Agenais. Et là, les deux équipes, peut-être fatiguées, font d'abord des premiers refaces de contact très près. Morlaes, derrière ces 22 Peyrelong. Beau coup de pied de Peyrelong. Monumental le coup. Et on parlait de Gélez et la maison, mais en face, croyez-moi, c'est pas mal du tout non plus avec Peyrelong et Brusque. 21 ans, hein. Alors je disais formé à Peyrorade comme Dubois et comme la maison, c'est vraiment une école d'ouvreurs. Peyrorade à tout près. Peyrorade, si je me souviens bien, c'est tout près de Cagnotte, hein, ça. Ah oui, c'est très cher d'ailleurs à Frédéric Gaillard. Grand ailier de Peyrorade. Cadrage des bords de partout. C'était le long mou à l'époque. On va procéder à un changement en troisième ligne côté Biarro. Quelle prise de Roumat encore. Norrois maintenant, dans les 22 mètres d'Agen. Ouais, je vous disais donc, on va procéder à un changement en troisième ligne côté Biarro. Christophe Millière devrait sortir et céder sa place à Didier Chouchon. Non, non. Venez, partez. Là, parce que je viens de saluer les demi d'ouverture, j'aimerais aussi saluer Ludovic Versier qui a porté les couleurs d'Aurillac et qui aujourd'hui porte avec succès les couleurs du club anglais de Gloucester qui joue une finale cet après-midi à Twickenham. Encore un joueur français qui réussit bien dans le championnat d'Angleterre, ce qui est une référence. Alors qu'on est en discussion entre M. Pouvot et M. Méné, il s'est passé une autre chose. Non, c'est bon, c'est le même sens.
Alors vous voyez là, le 7 et le 2, les deux capitaines, Benetton et González, adversaires aujourd'hui, ils ont très longtemps porté le maillot de l'équipe de France, ils ont très longtemps été équipiers, à une époque où Thierry Lacroix n'était pas encore retraité. Vous avez vu l'intelligence de monsieur Méné, qui a mis la main sur le micro pour pas entendre justement ce qu'il avait à reprocher à Barrault. Et c'est bien parce que ça n'avait rien à voir avec le jeu. Voilà aussi l'intelligence des arbitres de cacher certaines choses qui ne sont pas du côté technique. C'est tout à son honneur. Chuchot à la place de Millière, alors que lors de la demi-finale contre Toulouse, c'était Millière à la place de Chuchot. Et l'occasion pour Joe Roff, une fois de plus, de remettre les deux équipes à égalité, mais pour l'instant, ce n'est que 50% de réussite. Le buteur international australien de l'équipe de Biarritz. N'a pas encore marqué de points depuis le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui est commencé depuis 16 minutes. Ah, ça passe. Voilà l'égalité. Pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, par conséquent, l'équipe de Biarritz revient à égalité. On voit ce superbe prix d'Olivier Roumat, esselé, mais toujours aussi adroit, et cette déviation pour son compère Noroy. Allez, renvoi, récupération à Roumat. De plus, le roi des airs, mais c'est ce qu'on lui demande à Olivier Roumat. Sa grandeur et son adresse, on lui demande d'être le roi des airs, et aujourd'hui il l'est pour l'instant. Oui, et ils sont dans l'axe, très bon en ce moment les Biarrots. Perrelongue, un coup de pied de récupération. Faut y aller sous la chandelle, et il y est, dit toute la maison. Immédiatement plaqué par Isaac. Vite. Manasse, récupération en avançant de Brusque, il est dangereux sur ses relances. Oui, parce que quand on lui donne du champ, comme à Bernat Salle, il est dangereux. Corlès sous la pression, on peut donner quand même à Peyrelong. Peyrelong qui tape par-dessus, il y a faute sur Peyrelong. Non, est-ce qu'il monsieur Méné? Ah bon, on veut bien, mais... Alors on joue à gagne terrain, dès qu'on récupère, on joue dans le dos. Oh, qui revient dans ses 22 mètres. Qui tape en touche. Il a intérêt à la trouver parce que c'est dangereux de taper grand chat, heureusement qu'il la trouve. Et parce que la maison était chez lui là. Oh que oui. Il était prêt à une relance. S'il avait récupéré cette balle avant qu'elle sorte. Djurov a pris des risques. Mais après tout, le jeu ne demande que risque. Donc on ne va pas lui reprocher. Oui, mais par contre, il faudrait penser à la règle. Regarde, il va rentrer dans les 22 avec la balle alors qu'il les a pris en dehors des 22. Alors là. Il tape directement en touche, on devrait revenir à la faute, c'est-à-dire une touche aux 22 mètres lancée à géant. On n'a pas le droit de revenir dans les 22 et taper directement. Il n'a pas vu monsieur Méné, il n'a pas le ralenti. C'est pas grave, l'erreur est humaine. Allez, on continue. Ballon pour Agen. Oui, ballon pour Agen. Barreau. Barreau pour Cousinet. Pénalité. Oui, il a gardé la balle au sol. Et oui, il n'a pas fait l'effort de libérer cette balle, Cousinet. Et il donne l'occasion au Biarritz Olympique Pays Basque de prendre l'avantage. Le 4, j'ai sifflé, hein. Poussez-vous. On va le taper, allez-y. Allez, elle n'est pas contente, Krenka, mais en attendant, si cette pénalité est réussie, c'est le 4 qui joue au sol. Pour la première fois, Biarritz prend l'avantage. On a entendu ce qu'a dit Krenka, ils nous foutent des pêtes partout. Oui. Et on ne peut rien faire. Alors, question. La bourrique serait-elle en train de tourner le cul au foin, Thierry Lacroix? Je vous laisse seul mettre cette ravissante citation. Parce que pour l'instant, eh bien, l'équipe de Biarritz a l'occasion de prendre l'avantage et par conséquent de prendre le contrôle de cette finale à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Voilà, Sade, le Cousinet, là on vient jouer la balle. Et oui, regardez, logiquement, ce qu'on appelle le nettoyage, c'est quand vous arrivez comme ça, surtout ayez une poussée de bas en haut, parce que là on gratte, on vient mettre les mains de part et d'autre d'ailleurs. Et si vous n'arrivez pas avec cette poussée de bas en haut,
jamais vous sortirez les joueurs et leurs bras du ballon. Il faut être lié aussi, pas éparpillé, sinon vous n'avez aucun effet. Voilà pourquoi là, l'action, les Agenais étaient là, mais ils étaient dispersés et pas dans la bonne poussée. C'est tout un pays là, qui pousse derrière Jorof, et ce pays est basque. Et ça part bien, ça part droit. Et ça passe, voilà. Voilà, renversement tendu, de situation. Fiquée, hein. Renversement de situation à 20 minutes de la fin de cette finale. C'est Biarritz, Olympique, Pays Basque qui prend l'avantage. Oui, et j'en profite, Pierre, pour vous annoncer l'entrée en jeu dans quelques instants de Sautelet Poulet Auto. Ouh là là. À la place de Manu Meigneux. Le sacré poulet. Voilà, alors Sautelet qui me demande de, tout saluer, de saluer tout le public des îles, hein, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et compagnie. Hein. Et d'un seul coup, vous avez retrouvé de la voix, Thierry Bocco. Ah, je comprends vous tout ce que vous voulez dire, mon micro marche mieux simplement. Ah, d'accord. Allez, là on éclaire encore le jeu. Chandel, il va falloir aller au saut, sinon on n'aura pas la balle. C'est fait, déviation, récupération, oui. Mouic. Et là, attention, parce que les Agenais vont montrer s'ils sont une grande équipe. C'est dans ces circonstances qu'on voit les grandes équipes. Sont-elles capables de réagir immédiatement et de mettre en danger l'adversaire? Là, il n'y a pas de sur une réaction d'orgueil et de talent. Voilà, Sautelet Poulet Auto. Et lui, je veux dire, faire de ménage, non seulement en mêlée, mais dans tous ses petits accrochages. Il est craint de tout le championnat français. Il a une sacrée droite d'ailleurs. Non, mais il n'y a rien à dire. Je veux dire, il va vous calmer tous les esprits. Je le vois, les choses. C'est pas la peine. Voilà l'intelligence de Laurent Rodriguez. J'ai l'honneur de jouer à Dax. Là, il y en a en avant, et ça ne profite pas. Et là, il n'y a pas d'enjeu parce qu'il n'y a pas de fin statique. Mais les Bleus. C'est de quoi il parle, Laurent Rodriguez. C'est une mêlée dans les 22 mètres de Biarritz. Mathieu Barrault pour l'introduction. La brousse. Benetton au sol. Mais dans l'axe pour le drop, non. La maison le drop. Et du gauche contré. Il était monté très vite, Betsen. Quelle défense! Quelle défense de Biarritz! Vous avez vu ça? C'est impressionnant. Toujours là, omniprésent, ils avancent, ils auront le ballon. Ah, c'est impressionnant. Vous voyez cette action? C'est pas un essai, c'est pas une pénalité, mais là, je peux vous dire que ça fait du bien au mental des Biarros et ça met le doute aux Agenais. Il en faut peu pour mettre une équipe dans le sens de la marche et lui mettre l'euphorie. Et là, l'enthousiasme et l'euphorie est bien rote en ce moment. Léoto, c'est son tour d'entrée. Et il va remplacer Meigneux, c'est ça? Oui, c'est ça, actuellement. Donc à gauche, vu son gabarit, il vaut mieux qu'il joue à gauche. Il a joué deuxième ligne aussi. Oui. Et je veux dire par rapport à la première ligne. Mais j'avais bien compris, mon cher Thierry, tout à fait, vous avez raison. Ah ben. Pour une fois. La traduction Borlès. Non, tu vas voir, toi, Thierry. Coup de sifflet de Monsieur Méné, faute, et ce sont les Biarros qui se font sanctionner. Réponse du berger à la bergère, c'est les Agenais qui avancent sur cette action de jeu. Ah, on ne s'en laisse pas compter de part et d'autre. Il y a un bras de fer monumental entre Biarritz et Agen. Et surtout entre les frères Livremont. Ok, oui, ils s'en donnent à cœur joie. Derrière les rouges. Ballon pour, sort pour les bleus. Barrault. Barrault pour Jelez. Jelez, petit coup de pied qui cherche la touche. Bernat Salle a récupéré la balle avant qu'elle sorte. Passe. Quel coup de pied du gauche. Nicolas Brusque et Brusque, regardez ça. Regardez le chantier. Je fais rapidement par Jelez. Pour Barrault, qu'est-ce qui ressemble à Max? Barrault à l'intérieur pour Jelez. Bon plaquage. Les Agenais étaient revenus sur la ligne médiane, hier en avant peut-être, et Monsieur Méné en tout cas sifflé. Sac catalan ce Barrault. Bah, les Barrault sont de bon monde le Magne. Il est avec la fille de mon président, Marcel Lagrena. Ah ben bah, vous m'en direz pas. Ah, oui, voilà, sa catalanité. Ah, c'est pour ça qu'on disait qu'il avait été à nouveau sollicité par Perpignan. Il a re-signé avec Agen, je vous le dis au passage. Les beaux jours d'Agen. Alors que Genèse est resté au sol. Les Barrault sont de Beaumont, de Lomagne, le pays de l'ail. Où a joué, me semble-t-il, Jean-Pierre, mais où a joué aussi Christian Lanta, entraîneur aujourd'hui d'Agen, c'est ça, Jean? Tout à fait. Tout à fait. Ah, vous connaissez tout, Pierrot, c'est formidable. Cela dit, s'ils sont gaillards, les deux équipes aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont nourris à la blonde de l'Aquitaine. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça. Bien. Des deux côtés. Hein. J'ai bien compris. Vite. Et alors, vous me donnerez l'adresse pour arriver à la finale. Et c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Allez. Si vous voyez la blonde d'Aquitaine ce soir.
Pendant ce temps, c'est des chances, c'est tendu. Les Bleus pas que le score, 19-16 pour le Béro. Les Bleus progressent. Oui, c'est tendu, ça se comprend. Hein. Regardez le score. Regardez le score, 3 points seulement d'avance pour le Biarritz Olympique, Côte Basque, Pays Basque plutôt. Et il reste encore un bon quart d'heure à jouer. Bonne rien n'est fait par conséquent. Oui, bonne tournité. Mais, oh, c'était classique. On va changer de mer. Ah, là, décide autrement, monsieur Méné. Placez-vous. Morlaes, ça va faire l'introduction, cette mêlée dans le camp de Biarritz. Fermé de Lièvremont. Morlaes au large. Off à suivre. Diagonale posée, placée. Ouais, mais il l'avait vu. Hein. Ah, quel coup de pied, quel toucher de balle. Ah, on est du niveau d'une Coupe du Monde dans ces touchers de balle. Cette diagonale, c'est exemplaire. Voilà, Agen à nouveau dans ses 22 matchs sur cette diagonale de Roff. Alors que Rouet va faire la remise en jeu à la touche. Oui, caresser comme vous dites. Et vous en savez quelque chose, Thierry. La balle. C'est un spécialiste. Et vous allez bien nous manquer de ce point de vue-là. Maintenant, vous avez décidé d'arrêter. Le saignement de Crenca, c'est pour ça que le jeu est arrêté. Et gros plan, Jean-Michel Gonzalez, le capitaine de Biarritz, qui en ce moment invite les supporters biarrots a donné de la voix, et Dieu sait s'ils en ont les Basques de la voix, et de la belle voix. Ok, oui. Traverser les générations, il y a toujours eu un grand chanteur dans l'équipe de France. Tiens, puisque vous parlez de voix, Pierre, vous me permettrez de placer Antoua, qui est une grande chorale de 70 membres, qui organise le 29 juin une cyclo-sportive au profit des handicapés du rugby, la Fondation Ferras. Avec un très beau parcours, il y a plusieurs cols et certains rugbymen qui disputent cette finale, ils participeront. Et moi j'aime à saluer Albert Ferras, ancien président de la Fédération Française de Rugby, qui doit nous regarder en supporter d'Agen qu'il est. Salut Weber, alors que pendant ce temps-là, Thomas Lièvremont vraiment tente sa chance. Il est arrêté à 5 mètres de la ligne d'essai d'Agen. Alors qu'il regardait trébuché, est-ce qu'on s'est mis hors jeu par Ruet, on est venu sur le côté du regroupement. Rappelons la règle, il faut venir par l'arrière du regroupement et pas sur les côtés. Et là, Lièvremont sur cette charge, une nouvelle fois, s'est blessé au poignet en tombant. Oui, il a chargé là. Ah, il a chargé, c'est le cas de dire. Oui. Nous allons aller aux nouvelles par nos deux professionnels. Thomas Lièvremont, qui était le capitaine malheureux de l'USAP il y a 2 ans, quand l'équipe catalane a été battue en finale ici même par le Stade français, qui se voit donc donner une deuxième chance d'être champion de France ce soir. Vous vous souvenez, cette belle finale, le stade de France était Saint-Georges. Et sans le souffrir, hein, Thomas. Ouais. Thomas qui a douté de pouvoir participer à la finale, blessé qu'il avait été la semaine dernière. Il va à la percussion et puis en fait, il regarde trébucher et en tombant, il va se faire mal. D'ailleurs, monsieur Thomas a failli tomber lui aussi. Et voilà le frère, le petit frère. Ah, il y en a de la... Mathieu Lièvremont. Il y en a de la qualité chez Lièvremont. Il a demandé qu'on lui mette du strap supplémentaire, c'est tout. Et ils ont discuté bien évidemment de la combinaison. En catalan ou en basque? Eh bien écoutez, je comprends un peu le patois charentais, mais le basque c'est un peu difficile. Ils n'ont pas trop le choix. Enfin, il me semble, qu'ils ont dit. Voilà. Hein. Alors qu'on voit ici notre directeur Frédéric Chevit dans la tribune officielle, je suis en train de me dire quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas trop le choix parce que Noroy est entré, Chouchan est entré. On reste debout. Donc il est obligé de rester, hein, pour ainsi dire, Thomas Lièvremont. Oui. Ne rentrez pas, ne rentrez pas, ne rentrez pas, le ballon n'est pas là. Oui. On ne peut pas introduire. Placez-vous, entrez. On ne peut pas se mettre en mêlée avant l'introduction. Reste poussé. Oui, on s'est relevé avant. Pénaliser les Basques. On lâche volontairement, on tourne la mêlée, on se délie le pilier. Donc pénaliser, c'est la règle. Le pilier se délie. Le pilier se délie. Ah oui. On tournait volontairement la mêlée. Mais écoute, hein, oui, on s'est relevé avant, côté Poelotto, sur le côté gauche. Allez, François Gelès, l'occasion de renvoyer loin, le plus loin possible. C'est à 40 mètres de la ligne d'essai d'Agen. Allez, Serge Betsen qui a demandé à ses coéquipiers de se calmer. Un petit quart d'heure encore à jouer. Hein. Et deuxième changement pour Agen. Pierre avec la rentrée de Maurice Baraguet. Oui, le
attend de voir qui va sortir du côté d'Agen. Oui. Le panneau s'allume, c'est Christophe Porcu, le nouvel international. Maurice Baraguet, donc il rentre en deuxième ligne. Pour rappeler que Biarritz n'a pas gagné le championnat de France depuis 1939. Bataille en fond de touche, récupération. Oui, oh, peut-être. Rien, oui, c'est Genèse pour Agen. Oh, quel pied droit, quel pied droit. C'est ça le talent. Hein. Ah, mais de chat de part et d'autre, vous voyez, c'est ça le professionnalisme aussi. Pied droit, pied gauche, on n'a plus de soucis. Et il trouve une superbe touche indirecte, bien sûr, puisqu'il n'était pas dans les 22 mètres. Il fallait que le ballon rebondisse dans l'air de jeu. Ce qui est fait sur ces coups de pied remarquables de Genèse. Regardez, François Genèse, meilleur réalisateur du championnat de France. Je crois que c'est Dourque, je crois. Aujourd'hui, ouais, il a pris ce que m'a dit le papa, Claude Dourque. Mais vous laissez, il fait des informations en permanence, Claude Dourque. Parce qu'il faut ajouter des points d'aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Allez, Roumat, meilleur pourvoyeur, Biarro. Alors on va mettre tout le monde d'accord, c'est le meilleur réalisateur du championnat de France présent sur le terrain de cette finale. Après, on verra. La balle sort en touche et cette touche est dans le camp de Biarritz. Christa Gisquet, il commence à y croire hein, peut-être. Je sais que c'était un bon ailier aussi lui, au Coupe du Monde 87 en particulier, quelle équipe il y avait d'ailleurs. J'en profite pour les saluer tous. Pour pas de vilain vieux d'ailleurs. Il est très loin pour Mathieu Lévremont qui part avec scène. On va contre la Genève, peut-être un avantage en faveur de Biarritz. Donc il ne sifflera pas Monsieur Méné, mais comme il s'en profite pas, finalement il va revenir. Il y a un combat de chef entre regardez, Mathieu Lévremont et Betzen. Dès qu'il a la balle, même légèrement avant, il est là. C'est Mathieu qui n'a pas contrôlé. Mathieu Lévremont. En avant, mêlée, introduction mort à la S pour Biarritz. Dans le camp des Biarrons. Hein. Bonne poussée d'Agen, mais ballon quand même contrôlé par Biarritz. Perrolon pour Hoff. Ah, pour Bruce, que je veux dire. Il a oublié le 2 contre 1 et il se fait prendre par Bouic. Alors qu'il y avait, une seconde, voilà l'arrière des Bouic. Juste avant, il y avait de quoi donner à Bernat Sall sur son aile. Oui, un plaquage à l'ancienne. Hein. Eh oui, plaquage au niveau des hanches. Petit fait de Monsieur Méné qui regarde son chronomètre car on va procéder. On va procéder. Non pas un remplacement, mais on va donner des soins. Et le joueur qui se fait soigner, c'est le pilier droit. Oui, c'est le pilier droit de Biarritz, c'est Denis Avril. Alors, il va devant Chamelin, monsieur Blanco ou Abelou. Denis Avril, c'est Biarro. Et pompier du côté de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Et vous reconnaissez, vous le reconnaissez, il a porté les couleurs de Colomiers. Il a été international. Il peut jouer à la mêlée à l'ouverture, c'est qui ? Thierry Blanco, qu'on vient de voir en train de s'échauffer. Laurent Mazas qui va remplacer Nicolas Morlaix, c'est de ça dont vous me parlez ? Voilà ! Ah bon, c'est là. C'était pour voir si vous suiviez. Excellent. Barreau pour Gelaise. Oh oui, il y avait pas son avance. Dommage. Mais c'était bien fait. Oui, c'était bien fait cette combinaison avec la force. Christophe Dello, évidemment. Il y a un moment qui trépigne, comme on dit chez lui. Hein. Ah oui, mais il y avait un bon coup, hein, c'était bien tenté. Oui. Il passe en avant, passe en avant. Christophe Dello, vous lui dites, tu rentres, tu rentres. Hein. Ah, il faut des belles choses encore. Hein. Ça, c'est sûr. Morlaix fait l'introduction. La mêlée chahutée, la balle est quand même pour Lièvremont. Et Biarritz qui avance. C'est toujours dans le camp des Biarrons, cette action. Morlaix. Peyrolon maintenant. Pied gauche, très loin. Loin. Attention, il ne faut pas qu'il sorte du terrain, il va sortir, on reviendra à l'endroit. La règle, tiens. On revient à l'endroit où le coup de pied a été buté ou botté, parce que la balle est sortie en deçà et en delà des ballons morts. Du ballon mort, c'est-à-dire derrière, et d'ailleurs, regardez, ça c'était l'action précédente. Et, J'ai vu Cazobon aussi, l'ancien demi de mêlée d'Agen, qui a été champion de France avec le SUA. Qui est entraîneur adjoint d'ailleurs de l'équipe d'Agen. Alors qu'on procède donc à un changement. Mazas
remplacé par qui remplace plutôt Morlaz. Production Barreau. Quelle mêlée, départ de la brousse dans le fermé. Ouais. On a sollicité la force qui menace. Du jus sur Manas, il a du jus. Il joue au centre ou à l'aile hein. Oui. Barreau. En pivot, je laisse pour Bouic. Bouic a passé les bras à trouver Krenka. C'est la ligne des 22 mètres de Biarritz que vous avez vu à la droite là. Oh, que la libération est rapide. Je laisse. Longue passe, Corée d'Orga. Allez, bien touche. L'ancien Biarro, Pepito et l'Orga, dont le frère a porté les couleurs d'Angoulême et de Biarritz, qui part retourner avec l'équipe de France demain, qui a joué en équipe de France contre la Nouvelle-Zélande l'année dernière en tournée, et passé en touche. Elle n'a pas touché beaucoup de ballons, et l'Orga, ni Manas d'ailleurs, mais dès qu'ils ont la balle, on sent le danger. C'est dommage hein, qu'ils n'en touchent pas davantage, et l'Orga, parce que c'est vraiment un créateur de jeu. Fracture du tibia en début de saison, il a manqué la première partie de la saison par conséquent, et il revient au bon moment. Prise de balle, Olivier Roumat. C'est complètement retrouvé à Biarritz, hein, Olivier Roumat, qu'on croyait perdu après sa finale contre le Stade français. On le croyait pré-retraité à l'époque. Ah, regardez aujourd'hui. C'est la force de cette équipe Biarrotte de créer une émulation saine entre les joueurs, quel que soit le nombre de caps ou le rôle qu'ont pu jouer les joueurs au niveau français. Ou... Le temps presse ça maintenant. Ouais. Christophe Delo s'agite. La balle est sortie en touche à hauteur de la ligne médiane. 19-16. Rien n'est joué. Hein. Rien n'est joué. Le chat est maigre. Donc oui, et tout peut arriver. C'est le moment de ne pas se tromper de priorité. Et n'oubliez jamais, Thierry, que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Comme dirait Boyon. Le grand philosophe belge. Barreau courageux. Allez, monsieur Méné intervient. Ça s'énerve un peu là. C'est une faute contre Biarritz. C'est dans le camp d'Agen. Trois petits points, enfin il n'y a pas de petits points, hein. Ce sont des points. Voilà, ils vont taper à touche. Hein. Et c'est l'intelligence maintenant qui va faire la différence. Deux équipes fatiguées qui arrivent en bout de course dans les 80 minutes de jeu. On sent quelques intervalles se créer, on sent des joueurs qui commettent beaucoup plus de fautes dû à la fatigue, bien sûr. Mais les Biarrots ne doivent pas oublier qu'avec la maison et Gelaise, Agen est armé pour revenir. Hein. C'est vrai. Et là, il faudra peut-être, comme ils l'ont fait, occuper le terrain et pousser l'adversaire à la faute plus par le côté tactique que par les passes et le volume de jeu. Même si on crée et on porte aussi, on pousse l'adversaire à la faute par du jeu, mais du jeu construit, intelligent. Moins basé sur l'enthousiasme et la fraîcheur, mais plutôt au niveau de la tête. Jean-Baptiste Hervé, pour cette remise en jeu à la touche, dans les 22 mètres de Biarritz Olympique Pays Basque. Et Biarro, là pourquoi on laisse l'espace entre les deux lignes qui doivent être dans mètre. À fond de touche, cousiné à deux mains contre ses futurs partenaires, je le rappelle. Oui, soutien de cousiné. On a écroulé côté Biarro, on voit ce que dit monsieur Méné. Le ballon est à gêner. À la vanne peut-être. C'est un visage agressif de cousiné. Et oui, il attend le verdict de monsieur Méné. Que décide monsieur Médé ? Dans les 22 mètres de Biarritz, mêlée fermée. Introduction Mazas pour le BO. Il est vraiment tout de suite pris par la défense d'Agen. Mazas derrière, brusque. Et balle qui sort en touche sur ce dégagement de l'arrière de Biarritz. D'un côté, on gère le score côté Biarro et c'est tout à fait logique. Et de l'autre côté, mais on doit rattraper ces trois petits points côté Agenais. Mais faut-il pour cela mettre la main sur le ballon et ne pas commettre de faute? En tout cas, c'est serré. Hein. Ça peut basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre. Le break n'est pas fait. Philippe Benetton. 5 minutes. Dernière minute du temps réglementaire.
Oui, 5 minutes de temps additionnel. Hein. Ça a passé des choses. Rien n'est fait encore. Hein. Tentative d'échapper. Thomas Lièvremont dans le fermé. Massas. Derrière pour Brusque. L'ancien Palois. Et la balle qui se retouche dans l'immédiat. Oui, on grignote petit à petit côté Biarro. On laisse s'écouler le temps. On ne prend pas de risque dans ces 50 mètres, sachant qu'on n'a que 3 points d'avance. Maintenant, on arrive à du mal à contrôler la balle côté Agenais pour refaire cet écart. Voilà l'enjeu de cette fin de partie. Restez avec nous, hein, parce que juste après la remise du bouclier, on retrouvera Serge Simon, le patron de Proval, qui nous parlera de ce qui va se passer dans la nuit avec quatrième mi-temps. L'innovation de l'année pour démontrer en particulier que la finale du championnat de France de rugby, ce n'est pas uniquement la finale des pros, c'est la finale de tous les joueurs de rugby, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Mais vous direz ça mieux que moi, Serge Simon. Énième départ de Thomas Lièvremont. Repoussé chez lui et voilà. Balle au camp qu'avance et c'était la défense, c'était Agen qui veillait au grain. Quand on vous parlait d'intelligence de jeu et de tactique, de technique, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu alterner côté Biarro. Les Agenais l'ont vu partir systématiquement sur toutes les mêlées à Thomas Lièvremont et avait mis deux joueurs sur lui. Barreau pour Gelez. Gelez a essayé de prendre le trou. Et l'Orga, ah oui, Barreau, on se replace côté Agenais, le ballon n'est pas perdu par les Bleus. Barreau, Gelez, intérieur, Krenka, ballon récupéré par la Forte, faute parce qu'il y a passe en avant. Et oui, et il a vu M. Ménet. Dû à la défense agressive de Bidabé, qui avait senti le coup et qui est arrivé comme un boulet sur Krenka, qui a eu juste le temps d'avoir la balle et Bidabé dessus. Vous voyez que c'est pas une histoire de poids la défense, mais d'envie. C'est dur maintenant, c'est dur. Jean-Jacques Krenka qui part demain pour l'Argentine, il a beaucoup donné. Samedi prochain, il retrouvera face à lui son pilier droit d'aujourd'hui, Omar Hassan, qui ne se contente pas d'être l'un des meilleurs piliers droits du rugby français, mais qui est excellent chanteur d'opéra. Faut-il le dire au passage ? Les chances, c'est une histoire de pilier, je me rends compte. Hein. Parce que les Basques, c'est pareil. Ah, mais la scène, c'est impressionnant. Alors, ça, c'est Avril. Soigne saignement, Avril. Regardez cette longue passe. Et à peine a-t-il le ballon que vite, voilà, il prend Bidabé dessus et qu'il ne peut pas ajuster la passe pour la brousse. Alors que l'action et la vue et la vision de Gélez étaient bonnes sur l'extérieur. La passe, il avait échappé à trois défenseurs Biarro qui étaient face à lui. Massas a fait l'introduction. Ah, voilà l'alternance, vous avez vu. C'est Massas qui est parti, c'est pas les romans. Oui, il a échappé à Gelez. Hein. Voilà l'intelligence de jeu Biarrotte. Derrière. Ils ont raté le coche au 92, les Biarro. Vont-ils réussir 10 ans après? Et là, ça va sauter, Averhoff. Récupération Barreau, quel match de Barreau, énorme oui. Match. Attention à Bernard Salle. Oh, Bernard Salle était là en embuscade, mais il a en fait avant. Un en avant. Ça a du jus hein, sur l'aile là-bas. Hein. Non, mais quand Bernard Salle, il est là en embuscade, hein. S'il met le turbo, vous ne l'en trouvez plus. Ah, et je rappelle que c'est justement dans ce coin-là qu'il a marqué le premier essai au Stade de France. C'était sous les couleurs de l'équipe de France, c'était contre l'Angleterre dans le tournoi. Une passe de Benetton d'ailleurs, je me souviens, longue passe de Benetton. Quelle mémoire, Tatiaï, quelle mémoire. Allez, Betsen qui tape la balle en plaquant Barreau. Repris par Bernard Salle devant, donc pénalité, bien vu, Monsieur Méné. Regardez les visages qui se tendent, pas que sur le terrain. Hein. Ah oui, Christophe Delo là, il commence à se poser des questions. J'espère qu'il va pas faire rentrer Jean Abeillou. On venait d'apercevoir. Oui, mais une grosse discussion avec Christophe Deilly. C'est qualité, ce Jean Abeillou. Que se passe-t-il, Jean? Ah, il regarde qu'il n'ait pas eu beaucoup de pénalités en tentant deuxième mi-temps. Ah, ça, c'est vrai, quand on a des buteurs comme Gelez et La Maison, on peut le regretter. Mais peut-être que les Biarro ne font pas de faute. Tentative de drop. Contré, donc il faudra la jouer. C'est fait. Brusque. Long coup de pied, on alors qu'il y a eu... Gelez a glissé, mais il peut quand même récupérer cette balle. Allez, le tout pour le tout. Agen maintenant doit tout jouer. Tout donner. Et il le donne. Et regardez ces rafales. L'engagement est de plus en plus féroce. Il ne reste plus qu'une minute. Hein. On va
moins vite, mais alors les contacts sont rudes. Pénalité pour Agen face au bar. Alors c'est l'occasion. C'est l'occasion pour Agen d'égaliser. Mais alors, quelle pression! Quelle pression sur le buteur Agenais! Parce que s'il passe cette pénalité, cette prolongation, et s'il la rate, on va lui faire payer ça longtemps. Thierry Lacroix. J'en appelle à votre expérience. Dans effectivement. Ces qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe surtout qu'il faut faire abstraction surtout à la pénalité. Et ça, je crois que Gélez est assez grand pour le faire d'ailleurs. Regardez, on va plonger côté Diarro. Voilà, hop, on est venu. Je crois que c'est Olivier Roumain qui est tombé dans le quart à Genet. Il n'était pas sur ses appuis, sur ses genoux, il est tombé. Donc je vous disais, dans ce cas de figure, surtout ne pas penser que c'est la pénalité de la gagne. Il a très bien fait Gélez tout au long de la partie, il a eu 100% de réussite. Et vous l'avez raison Pierre de dire que s'il la loupe, on va oublier ses 100%, il ne sera plus à 100% d'ailleurs. Mais on oubliera tout ce qu'il a fait avant, on lui reprochera celle-là. Et là, je peux vous dire que personne ne peut vous aider. Gélez, il est seul au monde avec son ballon, ses poteaux. Et là, c'est une star. Ou alors, le monde lui tombera sur la tête. On l'appelle Monsieur 100%. Ah, ça restera un grand joueur quand même. C'est François Gélez. C'est sûr. C'est le buteur d'Agen. Il y a 3 points au bout de ce coup de pied, mais il y a surtout l'occasion pour Agen d'aller en prolongation. Oh, ça part bien! Bravo! Ça passe! Égalisation! Il y aura prolongation! Bravo! Il est en faux! Il est en faux! Regardez, il y a d'ailleurs un siffle! La fin des 80 minutes là-dessus! Bravo François Gélez! Ça, c'est de la graine de grand! Bravo! Merci François Gélez, doit dire à Jean. Évidemment, du côté Biarro, il y a sûrement un peu de déception. Comment les Biarro vont-ils récupérer cette déception? Va y avoir prolongation. La prolongation, eh bien, c'est deux périodes d'un quart d'heure. On va passer un petit générique et on va rester ici. On va se retrouver au Stade de France pour la prolongation. Maintenant de jouer la prolongation, par conséquent les deux équipes sont restées sur la pelouse du Stade de France. Je vous rappelle le score à la fin du temps réglementaire, 19-19, un essai de chaque côté, une transformation de chaque côté, un nombre égal de pénalités réussies, c'est l'égalité parfaite, ce qui veut dire, Thierry Lacroix, que dans l'hypothèse où on en resterait là après la prolongation, à la fin de la prolongation, eh bien, on aurait recours pour départager les deux équipes au tir au but. Ça me rappelle 1984 au Parc des Princes. C'était une finale entre Agen et Béziers. C'était une finale qui avait été gagnée au pied par Béziers. Sur un coup de pied raté, je pense, de Didier aujourd'hui. Non, de Mont-Lor. C'était rentré en cours de partie. Il avait remplacé justement parce qu'il sentait qu'ils allaient aller au but. Et sur le côté gauche, ici, là, il avait, je crois que c'était Pierre Mont-Lor ou Bernard Viviès. Non, Bernard Viviès avait loupé son coup de pied, mais Mont-Lor avait loupé le bon coup de pied. Voilà. D'ailleurs, que je salue, qui a été un très grand joueur et demi-ouverture du SUA, lui aussi. Pierre Mont-Lor, extraordinaire joueur. Cela dit, Pierre, si on regarde les stats, hein, je crois que c'est à 98%. Toute équipe qui égalise, qui va en prolongation, gagne à la sortie. Hein. Eh bien, je ne le fais pas dire, Jean. Je me mouille. Le pari est lancé. Voilà. Pari tenu. Alors voilà, c'est la prolongation. Et après, évidemment, il y aura la quatrième mi-temps. Je profite aussi de l'occasion pour dire que dans ces instants de difficulté, de grand malheur, eh bien, Lanta, l'entraîneur de l'équipe d'Agen, avait déclaré le 22 février dernier « Nous serons champions de France ». Ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, François Gélez vient de donner une chance à Agen d'être champion de France 2002. Un titre que va lui contester encore pendant une demi-heure le Biarritz Olympique Pays Basque. Alors à qui va profiter cette dernière pénalité mentalement? Parce que là, il faut qu'on parle maintenant de tactique et technique et de jeu, mais avec la tête. Les organismes sont fatigués.
Alors à qui va profiter cette dernière pénalité? On est sur le jus, l'enthousiasme, l'euphorie à Genèse. On est sur la déception de ne pas avoir gagné grâce à ce coup de pied comme Igelez, je dirais quelque part côté Biarro. Vous allez le savoir très vite après le coup d'envoi de Peyrolong. Oui, alors qu'en première ligne, Noël Curnier est rentré à la place de Denis Avril. Et pas de changement du côté d'Agen pour s'envoyer la balle. C'est parti. C'est bon ça. Coup d'envoi donné par Peyrolong. La prolongation commence ici au Stade de France. Le titre est en jeu. Dégagement la maison. De la maison et la balle sera en touche, oui. Situé la maison. Alors Curnier remplace Avril, c'est ça Thierry? Oui, absolument Pierre. Curnier qui doit partir pour Bourgoin à la fin de la saison. Et sachez que ces deux équipes vont jouer dans le camp adverse en tout cas. Il n'y aura pas trop de risques dans les 22 ou les 40 de chaque côté. Alors attendez, il y a aussi un petit changement tactique parce que Gonzalez va donc passer pilier, je pense, à la place d'Avril. Et Curnier, évidemment, jouera talonneur parce que c'est spécifiquement un talonneur. Hein. Ouais, mais Gonzo, il sait tout faire. C'est Cousiné qui se bat comme un beau diable. Et on ne peut regretter de l'avoir recruté, les Biarro. Hein. Formé à Dijon, non? Oui. Bien, bien. 2,04, c'est le plus grand sur le club. Oui, 2,04 m, c'est un géant. Non. Déjà, combien de matchs fait 2 mètres, qu'il est grand. Regardez la mêlée. Voilà. Alors, pour l'instant, il conteste Krenka. Jean-Jacques Krenka, le pilier gauche d'Agen, conteste la façon de se mettre en mêlée. Et regardez là, c'est le coucou, quelle poussée. Voilà, on joue, on occupe le terrain de part et d'autre, je vous l'avais dit. Couverture là-bas, sollicité. Christophe Lamaison. Rien ne vaut après prolongation pour le moral que de jouer en avançant. Et de part et d'autre, on a décidé d'avancer par le pied. La carambe à 22 mètres pour Agen. Avril ici en gros plan qui se fait soigner. Qui est blessé, je vois sur la mêlée côté Agen. Et si c'est un joueur de la première ligne, on est obligé d'arrêter le jeu. De la deuxième ligne d'ailleurs, sinon le jeu doit continuer. Tout laisse à penser qu'Avril va revenir hein, dans le jeu. Et vous savez qui se prépare du côté d'Agen, je ne crois pas mes yeux, c'est Blanco. C'est pas vrai. Blanco. Ah mais pas Thierry, rassurez-vous, pas Thierry, pas Blanco. Oui, fait peur. C'est pas l'ancien joueur de Motorola. Oui, fait peur. Exactement. Avec le 17 oui, c'est 82 le Tarn-et-Garonne. Je suis d'abord du contrat, 17 c'est Charente-Maritime. Ah bon, ah bon, je ne savais pas Pierrot. C'est la première fois que je l'entends ça. J'en profite pour vous dire que tout ça pendant que le match est arrêté. On est en train de soigner. Alors, qui est-ce du côté jeunesse, pas Krenka? Krenka. C'est Jean-Jacques Krenka qui s'est relevé. Oh, il a beaucoup donné, il a beaucoup pris aussi. Ah, il pilotera pas l'avion demain, il va dormir. Hein. Il va bien dormir, oui. Krenka, l'ancien trésiste, si bien reconverti à 15, éclosion tardive certes, mais alors, il a pris son temps. Plus retard que jamais. Hein. Il a pris son temps, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est au point. Hein. Un ballon de la maison va monter en ligne côté Agenais. Obligé, Peyrolong à jouer par-dessus, voilà c'est fait. Coup de pied de récupération que les All Blacks appellent up and under. Oh la récupération extraordinaire de la brousse. Vrai numéro 8 qu'il doit. La pousse qui ressuscite à Agen. Hein. Extraordinaire. Il a voilà, encore dans les airs. On a décidé d'envoyer des quilles. Oui, pareil, son homologue. Thomas Romont qui était en couverture pour Biarritz, tout près des 22 mètres de l'équipe Biarrotte. Joroff sous la pression de nombreux Agenais et qui trouve cette touche dans le camp d'Agen. Alors voyez là quand même l'attitude de Joroff. C'est pas grand chose, mais c'est beaucoup à la fois. Il a d'abord regardé avant de jouer au pied. Voilà une attitude d'un joueur où d'abord on essaie de jouer par la passe, on essaie de créer le danger, balle à la mer. Et si on ne peut pas, et bien on joue au pied. Au contraire de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant où on part dans la première intention de jouer au pied. Voilà qui en dit sur la qualité de ce joueur aussi. Rouet va faire la remise en jeu pour Agen. Légèrement dans le camp Genet, cette touche. On va solliciter peut-être. Voilà, c'est la fait touche. La brousse en moyenne. Excellent. Pourvoyeur de balle à Genet. Cocotte, départ de Baraguet. Oh, la prise à hauteur de Manas. Oh, il a des jambes. Il attend du soutien, c'est dommage. C'est arrivé un peu tardivement, mais le ballon n'est pas perdu par les Agenais qui Krenka. Peuvent le faire rebondir par Krenka. Mis au sol. Oui. Il va y avoir pénalité pour position hors-jeu.
Voilà ce qu'indique M. Meignet avec son bras droit. Regardez, ça c'est le signe d'une position de hors-jeu face au poteau. Oui, et bien les Agenais ont provoqué la faute. Et la faute est arrivée. Regardez, hein, le jus, on en a parlé de Manas, il a du gaz. Ce Catalan a jeûné ce soir. Et ouais. Il faut le retour d'Isaac en lui bloquant les bras. C'est bien joué ce retour. Plaquage, blocage, comme on dit, pour l'éviter justement de transmettre ce ballon. Manas qui avait tenté sa chance au Stade français, qui était parti pour Bègles, qui est venu à Agen et donc qui reviendra chez lui à Perpignan l'année prochaine. Mais qui était présenté à l'époque où il était venu au Stade français comme un grand, grand espoir. Et le démontre en tout cas. C'est un joueur de qualité. François Gelaez est l'occasion pour Agen de reprendre l'avantage au score. Jacques avait perdu cet avantage depuis la mi-temps de la deuxième mi-temps. Regardez Mathieu Liège-Romont qui ne veut pas regarder, si ça y est. Mais là, il n'a pas envie de regarder les poteaux, il baisse la tête. Ah, il y a des attitudes comme ça de joueurs de coéquipiers. François Gelaez, derrière les poteaux, il voit le clocher de Tiros et il le vise. Donc on le voit bien. Et le bon Dieu l'a écouté. Voilà. Ah, ils ont bien fait de le faire reposer, Gelaez. Précieux dans son jeu et dans ses coups de pied ce soir. Des crinquards, il était sur cette action, on était hors jeu côté Biarro. Allez, renvoi de Peyrelongue, renvoi court, Betsen toujours omniprésent. Regardez cette énorme pression de Betsen. Il colle au ballon et pourtant on est encore dans les prolongations. Quel jeu. Biarro, derrière les 22 mètres. Ce dégagement très très loin. Et cette balle qui se rend touche sur le dégagement de Titou Lamaison dans le camp de Biarritz. Ah, Patrice Lagisquet le disait en première mi-temps, qu'il faisait mal les coups de pied de Lamaison et de Gelaez, puisqu'il remet de la pression systématiquement dans le camp Biarro et qu'on met du temps maintenant à venir se replacer dans son camp. Et oui, il est plus facile de jouer en avançant qu'à reculant. Avril, en gros plan. Ouais, qui va revenir reprendre sa place. C'était un temporaire. C'est Kurnia qui va en sortir. En jeu, Jean-Michel Gonzalez. Poulet auto aussi, un gros plan. On a raccourci la touche côté Biarro. Pourquoi? Pour mettre du jeu, pour obliger les Agenais à la faute. Et on ne le peut que par le jeu. Romat, prise de balle à deux mains, qui essaie de s'échapper le long de la ligne de touche. Mais il a été bousculé en touche, Olivier Romat. Oui, il va se faire gronder par ses coéquipiers, isolé qu'il a été sur cette action. Alors qu'on lui aurait demandé peut-être de rester près de ses collègues et de faire en molle. Et bien Romat, champion de France, mais aussi champion d'Afrique du Sud avec le Natal en 95. Oui. Et parti de la même équipe. Tout à fait, tout à fait. Titre, d'ailleurs. Donc vous êtes champion d'Afrique du Sud. Voilà. Je ne pas être champion de France, c'est pas arrivé, c'est comme ça. Oui. Il y en aura une ce soir, allez. Oui, cousiné, pour Agen. Dans le camp de Biarritz, cet enchaînement des Bleus. Remettre l'adversaire à la fin. Jeu restreint, et oui, près ou au pied. Plus de passes longues. Au saut. Oh, quelle récupération. Superbe. Il faut le faire avec la fatigue et la pression. Bernat Sal. Oula, par-dessus. Par-dessus, oui. Oula, plaquage haut, attention. Récupération, Mathieu Lévremont. Mathieu Lévremont, il n'a pas réussi à être titulaire au Stade Toulousain. C'est la raison pour laquelle il est parti pour Agen. Et là, il est titulaire à Agen. Faute. Voilà, monsieur Meignet était bien placé et estime que Puelotto n'a pas fait faute. Oh, la percée! On va quand même revoir l'action. Il y a du jeu. Et oui, là, pénalité pour Biarritz. Vite joué. Lièvremont. Thomas Lièvremont, on est dans le camp d'Agen. Oh, ça s'emballe de part et d'autre. On cherche, voilà. Pénalité encore. Et là, on va la tenter. Côté Biarro, on a grappillé. Jouer la balle, c'est bien vu. Je vous disais que techniquement et tactiquement, c'est les têtes qui marquent et qui marchent en ce moment. Lièvremont a vite joué, pas pour marquer l'essai, pour gagner 10-15 mètres. Là, une pénalité. Et il a gagné, puisqu'il l'a. Par contre, on ne peut pas une deuxième fois jouer une pénalité rapidement. Voilà pourquoi on laisse le temps à Agen de se replacer. Mais ça suffit pour la tenter côté Biarro. Regardez, il est allé au milieu des Agenais, pas pour les battre, mais pour avoir 10 mètres 15 de plus sur l'action. Voilà.
pénalisé par conséquent les SD. Oui, on va procéder à un nouveau changement côté Biarritz Olympique Pays Basque, avec l'entrée en jeu de Guillaume Boussès, probablement à la place de Jack Isaac. Boussès, venu du Stade Toulousain, considéré comme un grand espoir lui aussi. Joe Roff. Réussite sur 8 tentatives, je rentre depuis le coup d'envoi. C'est peut-être là que se fait en ce moment la différence dans cette finale. Mais c'est la moindre importance que celle de Gélez à la fin de la partie, puisqu'il restera encore un quart d'heure de jeu. Alors, je faisais la différence parce que je crois que Gélez il a fait 100%. Oui. Alors que Jorov n'a pas eu cette réussite dans les coups de pied, donc il n'a pas pu concrétiser aussi souvent les occasions de Biarritz. Tout à fait. Très bonne analyse, mon cher Pierre. Allez, lui, c'est toujours laisser les sifflets, bien sûr, mais à jeûner cette fois-ci. Concentration, équilibre, frappe. Ça prend la direction des poteaux, sortant. Deuxième poteau pour Jorov. Ben dites donc, si Biarritz perd cette finale. Ben oui, le pied aura été important ce soir. Et le poteau aussi. Et le poteau aussi. Deux poteaux à zéro. Avec M. Méné. Calme le jeu. Changement pour le Biarritz Olympique. Constate qu'un changement va intervenir encore une fois. Et c'est celui annoncé. Boussès 22 à la place de Isaac. Du 109. Allez, renvoie logiquement long de la maison avec un rideau qui va bien monter, organisé. Voilà, une vague bleue. Tendu le coup de pied, arrêt à la manière d'un footballeur de Mazas qui trouve Thomas Lièvremont. Mazas, brusque. Sauté sur brusque, croisé. Et récupération du ballon par Boussès. Et le roi plaqué libère bien sa balle pour Mazas. Roff s'approche de la ligne médiane. Allons toujours pour les rouges. Oui, il y a un petit 2 contre 1 à jouer. Betsen là-bas. Il est passé Betsen. Le jus qu'il a encore sur Betsen. Pénalité, on se met à la faute. Et oui, par le jeu, on me le disait, c'est par le jeu qu'ils vont mettre la faute de part et d'autre et se mettre en position. Le 18. De but. Oui, oui. Ça laisse des traces. Oui, prolongation. C'est Norrois qui s'est fait prendre là. Baragué, non ? Le 18. Mais Maurice Baragué. Oui, Baragué, j'entends pour moi. Oui. Excusez-moi, Pierre. Non, mais vous avez raison de suivre. Hein. Ah, c'est pas fini. Hein. Moi, je m'occupe d'Agen, on m'avait c'est dit. Pas, c'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Tiens, il y a un champion de France qui va rentrer. Ah, Nicolas Martin, du côté d'Agen. Oui, champion de France avec le Stade Toulousain. 97, sur la tête, ça. Oui. Excellent. Et pénalité plus difficile, complètement dans le coin. Nicolas Martin, dont on me dit qu'il suivrait Titou la maison à Bayonne la saison prochaine. Ah, du côté de Biarritz, non ? Ah ben j'ai vu ça en faisant www.france2.fr, c'est notre site internet sur lequel il y a des informations de sport en permanence. Quand il n'y a pas de sport à la télé, il y en a sur internet. Donc ne vous gênez pas, vous savez tout. Allez, Jorov, laissez le temps à Gélez de revenir dans son camp. C'est un coin, c'est pas évident. Il y a des pailles longues, complètement en position d'arrière. Il n'est pas nécessairement accroupi, en confiance. Hein. Qui regarde pas, la tête dans les bras. Il n'est pas nécessairement en confiance, Jorov. Mais là, il n'a rien à perdre, il c'est un coin. Pas. C'est parti. Et non, c'est raté. Non, c'est raté. Alors, vont-ils faire rentrer Stuart Legg ? Parce que le buteur remplaçant. Mais il serait de Biarritz. Ah oui, bonne idée. Très bonne idée. Le buteur remplaçant de Biarritz, celui qui était le buteur titulaire d'ailleurs en demi-finale contre Montferrand, c'est l'anglais Stuart Legg, originaire des Midlands. Birmingham exactement, passé par Newcastle. Il fait un bon entraîneur, Pierre.
le coaching était très bon. Oui, mais quand c'est comme ça, il faut trouver des solutions. Hein. Bien sûr. Surtout qu'on n'est plus à jouer sur le jus. Ils sont tous fatigués. La différence se fera avec la tête. Allez. Donc je pourrais être entraîneur. Ben, j'ai fait partie du clan, ça me fait plaisir. J'ai plus qu'à me syndiquer. Oh, la belle charge de Noroy, relayé par Bidabé. On s'y met tous. Razas. Bien vraiment. Le drop. Perrolong. Oh, Perrolong, c'est génial. Ça ne passe pas, mais que c'était bien fait. C'est parti comme un scud. Hein. Oui, mais c'était loin quand même. Hein. Oui, mais se rapprocher. Hein. Il y avait la puissance. Hein. Ah oui, oui. Il y avait la puissance. Précision. Jouer avec le temps un peu les agenais. Je regarde le chrono, on est à la fin de la première période de la prolongation. Je vais vous dire une chose que jamais personne n'a dit. Allez-y. Avec la fatigue, buteur, on croit que c'est la puissance qui manque. Et non, sachez-le, c'est la précision. Parce que la fatigue, elle agit à ce niveau-là, plus que sur la force. C'est François Gélès qui laisse à sa place à Nicolas Martin. On va redistribuer les cartes. Hein, ouais, c'est-à-dire que Titou la maison va monter à l'ouverture. Martin, 3 Carrel et Pepito et Orga va jouer arrière. Et ben voilà. Je vous ai tout dit, Biro. Impeccable. Rien à dire, c'est parfait. Allez, réception Perrolong. Brusque pour une relance. Bernard Salle qui cherche. Oula, la vue du Castillet par Manas. Edson. Quel plaquage. Derrière les bleus. La balle sort finalement pour Mazas. C'était au sol d'ailleurs. Au large pour Bidouille. Bidouille Bidabé plaqué après la ligne médiane dans le camp d'Agen. Récupération Roff. Accroché par Cousinet qui le renvoie dans son camp. Et là, il y en a en avant. On se tait. Parce qu'il n'est pas où parler aussi. Il y en a un avant rouge et c'est la mi-temps. Donc mi-temps de cette première période. On va pratiquement changer de camp. On appelle tout le temps, il a pris de l'herbe. Il a pris de l'herbe en souvenir de l'herbe du Stade de France. Où il a battu la France avec l'Australie d'ailleurs. Ce terrain. Donc on va procéder au changement de camp. M'étonnerait pas qu'on vous écoute de côté Biarro avec la rentrée de Stuart Legg. Après le coup à bois réglementaire, bah oui, il vaudrait mieux, hein, je pense. Parce que là, ça va être décisif. Surtout qu'avec la fatigue, répétons-le, c'est le pied qui fera beaucoup la différence. Et puis s'il y a des tirs au but, il faut qu'ils soient entrés. Oui, en plus, oui. Regardez ce beau plaquage en avançant de Manas. Il faut qu'ils soient entrés. Sur en la salle. Il doit croiser les droits à côté. Cela dit, Biarro. C'est peut-être pas non plus le moment de faire sortir Roff ici sur votre écran ou sortir Mazas, parce que les buteurs, on en aura besoin dans ce cas-là. Ouais. Il faut penser à tout. Hein. À tout. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Mais en tout cas, ça vocifère côté Agenais dans les tribunes. Côté Biarro, on est un peu plus calme. Logique, le score est pour le SUA. En ce moment, 22 à 19. On va attaquer la deuxième partie des prolongations. Et là, c'est bon moment de discuter. Allez, Pierrot et Thierry. Oui. Ouais, on va peut-être demander à François Gélès qui est sorti. Oui, Jean Bayou. Ouais, il n'a pas tremblé. Sur cette égalisation, qu'est-ce qui vous est passé dans la tête? Ce que je viens de dire, que j'ai imaginé que j'étais à Tiros à l'entraînement et que, que c'était sympa. Qu'une de plus, que j'en avais déjà mis des milliers comme ça et que il fallait surtout éviter de passer, que si on perdait, si je la mettais pas, on avait perdu le championnat. Donc, il fallait surtout pas se poser 10 000 questions, enchaîner la frappe et puis voilà quoi. Et puis bon, c'est passé, tant mieux, et on est en sursis, mais il reste un quart d'heure, c'est à couper le souffle. C'est ça la belle jeunesse de Tiros, ça ne doute de rien. Et surtout la belle réaction d'un jeune qui a déjà des réactions d'un ancien, d'expérience. On n'y a plus d'âge maintenant en rugby, on s'entraîne deux fois par jour, on est au contact des meilleurs entraîneurs de France et d'Elo. On lui fait confiance pour le côté but avec Gélez. Et ça donne des réactions d'un gamin, on dira, ça jette péjoratif. Devant le président de la République, le bouclier de Brennus, œuvre d'un sculpteur licencié au SCUF. Ce bouclier de Brennus en jeu, rien n'est encore décidé. Le bouclier de Brennus que n'a pas gagné
depuis bien bien longtemps à Jeun, puisque le dernier titre remonte à 88, mais pour Biarritz c'est encore plus vieux puisque c'était en 39. Je crois que c'était là, se présente une finale, il faut la gagner hein, parce qu'elle ne revient pas de suite hein. C'est clair. Montferrand en sait quelque chose, Dax aussi, pour ne citer que les plus célèbres perdants de cette course au bouclier, que je salue quand même au passage, parce qu'ils ont tant donné au rugby malgré tout. Rambois, coup de pied long, Mazas. Récupération de Mazas. Dans ses 22. Voilà. Pepito Lorga, donc déplacé à l'arrière. Ovayas gagne terrain en tapant loin, en obligeant les Agenais à reculer. Et bien encore Biarritz joue à l'avance-temps, parce qu'il se retrouve dans les 40 mètres à Genet. Il a un petit peu de mal à contrôler la balle, qui menace. C'est assez tourné, il ne faut pas faire d'en avant. Attention à Lorga contre ses anciens équipiers, hein, parce que de l'arrière, lui aussi, allez, il a du talent pour créer des situations particulièrement dangereuses pour l'adversaire. De balle à deux mètres de Noroy, un molle organisé autour de lui, avec Puelotto et sa masse physique. Allez, poussez les avant de Biarritz. Mazas, père long. Off, oh, essaie de passer en force. Mazas. Dans le même sens. Guernier. On va essayer de sauver la patrie individuellement. Hein. C'est ça la difficulté de la tâche là maintenant. Chouchard et Puelotto. Contrôle la balle côté Biarro. On veut mettre à la faute les Agenais. Allez, Roff encore avec un appui. Qui s'approche des 22 mètres d'Agen. Noroy. C'est bien fait ça. Ah, il a glissé Boussès. Récupération du ballon par Martin. Benetton. Le capitaine. Non, les rouges, non. Non. La maison, lui, va jouer à gagne-terrain. Voilà. Très loin, il va falloir monter. Côté Agenais, récupération acrobatique. Oui, de Mazas. Mazas. Pays Roland. Et l'on regarde la réception dans ses 22 mètres. Arrêt de voler accordé par Monsieur Mélé. Et demain, toute cette finale, avant, pendant, après, dans Stade 2. On ne voit pas la touche et on va lui reprocher côté Agenais parce qu'on est fatigué. Vous verrez tout avec des documents exceptionnels. Hein. L'avant de passe entre Mazas et Bidabé. Voilà la personne que vous avez et qu'on attend tous. Sur Teg. Donc un deuxième buteur dans le moteur, troisième même avec Mazas, un troisième buteur dans le moteur de Biarritz. Ici du soutien. Paro. La maison en position d'ouvreur en ce moment qui balance une quille pour éclairer le jeu. Monsieur Véné a dit. Elle revient à la faute. Hein. Oui, position de hors-jeu, Biarrotte et une opportunité d'aggraver le score pour Titou la maison. Philippe Benetton. Christophe Dello. En état de surexcitation, à côté de Philippe Guillard qui a gagné le championnat de France avec l'équipe du Racing avant d'être contre Agen. Sur une chaîne concurrente, et c'était contre Agen. Contre Agen. Et il était entraîné à l'époque par qui ? Christian Lantard. Et bien par Christian Lantard, l'actuel entraîneur d'Agen. Qui tue la maison. C'était une fois au début du match, c'est sa deuxième tentative. Le stop du Mouzin, il avait passé 4 en finalité. Lors de la demi-finale. Non, ça ne passe pas. C'était toujours 3 points d'avance pour Agen. Pour l'instant, c'est Agen qui est champion de France. Et il reste une bonne dizaine de minutes à jouer. Rien n'est fait. Rien ne se crée, tout se transforme. Alors attendons. Cousinet. Fou ce qu'il a progressé, Cousinet. Hein. Ouais. Là, il y a eu un duel Roumat-Cousinet dans les airs. Un duel Manas.
Bernat Salles sur les ailes. De toute façon, le rugby est une histoire de lutte et de duel. Juste devant les 22 mètres de Biarritz. Elle est sortie. Depuis le moment. Dégagement. Il est approximatif, on est sous pression, on est fatigué. Et leur gars, le drop de 50. Ah, mais il est gonflé. Ah oui, 53 mètres. En coin. Pépito, la balle reste dans l'air de jeu. C'est peut-être l'occasion d'une contre-attaque pour Nicolas Brusque. Il aime ça, mais il a trois revenus. Il s'échappe. Ah, il a du talent. Avec le soutien de Betsen, l'accroché qui échappe et leur gars. Quelle charge de Betsen encore. Sur la ligne médiane. Enchaînement par Chouchan pour l'équipe de Biarritz. Et pénalité pour les Biarros. On passe d'un camp à l'autre et on crée des pénalités d'un camp à l'autre par le jeu. Et oui, la fatigue est là, on se met plus facilement à la faute, on est moins lucide. Et là, c'est Mathieu Lévremont qui est à la faute. Alors là, Stuart Legg va-t-il la tenter? Oui, il semblerait que côté Biarros, on ait donné les informations pour ça. C'est pareil que là-bas les autres. Comme quoi vous avez vu le plaquage loupé sur Brusque alors qu'ils étaient en supériorité défensive numérique et non, choisi la touche. Ça ne va pas faire plaisir aux entraîneurs qui voulaient la pénalité. Ouais. Pénal touche donc avec l'avancée plus derrière, normalement. Dans les 22 mètres d'Agen. Enfin loin de la ligne d'essai quand même. Plaquage loupé derrière, vous êtes pénalisé. C'est ça le niveau, le haut niveau. Vous faites une faute et derrière, et bien. Vous chargez, comme on dit dans le jargon rugbystique, vous prenez derrière. Premier lancé, voilà, c'est lancé aussi. Lièvremont, la maison, loin devant, si ça gagne pas, en tout cas ça débarrasse. Oui, parce que ça fait une touche sur les 22 mètres de Biarritz. Et vu le lancé qui était Biarros, là aussi, ces petits détails dans cette fin de match comptent. Et ils vont faire très très mal. Et pendant ce temps, Rouet qui incite tous les supporters d'Agen à se manifester. Et The Bee se doit l'œil. Hein. Ah, mais vaut mieux l'obéir à Rouet. Vous avez vu le bébé que c'est. Allez, touche raccourci. Roumat. Et le ballon a été récupéré par Rouet, puis perdu. Finalement, c'est Betsen qui peut le jouer pour Biarritz sur la ligne des 22. C'est pénalité contre Agen. La cœur s'est mis en opposition au ballon pour l'empêcher de sortir. Pour se dégager, le ballon ne peut pas se tirer. C'est Philippe Benetton sur le coup. Ils ne font aucun effort pour se dégager, le ballon ne peut pas sortir rapidement. Ah non, pas là. Que l'arrière de Biarritz. Oh, la belle ogive. Quel beau coup de pied. Ah oui, ouais. Oh là là. Superbe. Oui. Regardez cette touche de Curnier. Il lobe son sauteur et ça profite à Mathieu Lièvremont. Ces ballons-là, ces petits détails sont de plus en plus importants. Il va falloir trouver ces sauteurs. Curnier, le talonneur formé à Toulon en partance pour Bourgoin. Roumat qui détourne, Mazas pour Peyrelon qui sollicite Djorov, Stuart Legg. Et Stuart Legg déjà sous la pression, qui recule, mais elle est ouverte sur les 22 mètres. Sur la ligne médiane, autant pour moi. Mazas, Roff. On va croiser avec Lièvremont. Thomas Lièvremont. C'est dur à plaquer hein, quand même. Non, 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 je sors. Ballon pour Biarritz. Du soutien avec il a échappé la balle sur le contact. Jouer. Il a échappé et ça profite aux Agenais. Jouer. Derrière. Philippe Benetton protège cette balle pour Barreau. La maison. Bouic là-bas qui loupe complètement sa tentative de dégagement en touche. On reviendra à l'en avant Biarros qui n'a pas profité à Agen. Il ne profite pas. Alors qu'on voit physiquement Roff essayer de secouer la défense à Genève, voilà, sur le plaquage excellent de Barreau. Allez, on se fait soigner, c'est Hazan, le pilier droit argentin de l'équipe d'Agen, là, qui se fait soigner. Alors je vois que Tandonné est encouragé par Christophe Vélo, que je pense. François Tandonné qui va rentrer dans, bon, c'est incessant, hein, à la place de Mathieu Barreau, poste bien sûr de Dominique Mellet, numéro 9. François Tandonné, c'est un produit d'Agen. Hein.
Pas pour l'instant, hein, après. Pour l'instant, c'est Mathieu Barraud qui va faire l'introduction. Passez-vous, André. Mais c'est cool, on n'a pas introduit, attention. Hein. Attention, c'est très dangereux, ça, d'abord. D'abord, Roué souffre. Roué souffle, surtout. Oui, mais il a peut-être pu se faire mal, c'est vrai, parce qu'il est tout tordu. Ouais, c'est très très dangereux. Parce que chacun va faire l'effort sur cette mêlée, elle est hyper importante. On va essayer de mettre la faute à Gérard pour avoir la pénalité, peut-être de dégradation, et à Gérard, on va pas se laisser compter. Allez, la pression est énorme, on tourne. La brousse. La brousse, ballon à une main, oui. Pour Mathieu Lèvremont. La maison, loin, il cherche la touche dans les 22 mètres, direct. La balle sort directement en touche, il s'en fallait de peu, ah oui. Mais c'est raté. Donc on revient à hauteur du coup de pied, et oui. Donc dans le camp d'Agen, puisqu'il était dans son camp quand Titou la maison a botté, vous voyez. Il fallait que le ballon rebondisse dans l'air de jeu avant de sortir, le rebond va être à l'extérieur, voilà, ouais. C'est direct. On reviendra à l'endroit où le coup de pied était botté. Alors lancé en touche de Curnier, tout le monde dans l'alignement apparemment. Voilà les 8. Norroy, difficulté mais contrôle quand même la balle. Peyrelongue, oula, Gousses immédiatement plaqué dans l'axe. Mazas pour Betsen, Betsen pour Curnier, plaqué encore par Benetton. Derrière, non. 34 ans. Chouchard. 5 dernières minutes. Oh, il y aura pénalité pour ce plaquage dangereux. Oui, tout à fait. C'est pas un plaquage à de Cousinet sur Boussès. C'est pas un plaquage à retardement. C'est un plaquage haut. Et oui. Là, tout est à refaire. Non, transforme c'est le cette pénalité, c'est le on est à 22, donc 22. Et Thomas Lévremont réclame une boisson énergétique, boisson salée. Oui, et si la pénalité réussit, ça veut dire que Biarritz revient à égalité avec Agen, on est d'accord? Mais on serait dans le cas de l'égalité parfaite. La fameuse égalité parfaite. Donc des tirs au but. Des tirs au but. Il reste combien, Biarritz? Il reste combien? C'est une bonne question. Ah ben oui, il reste 3 minutes de temps réglementaire plus les arrêts de jeu, mais il y a pas le beaucoup, temps additionnel. Hein. Attends, ils sont en train de se poser la question aussi, de savoir s'il attend ou pas. Non, il attend. Oui, mais vaut mieux, oui. Par contre, ils ne font pas taper Stuart Link, ils refont taper Djorov. Ils gardent la main, je suis en train de regarder mon règlement. Oui, mais bon. Et mon règlement, que me dit-il, puisqu'il n'y a pas d'expulsé? On est bien dans le cadre d'égalité parfaite, donc du tir au but. Ouais, on aura confirmation sinon par René Ourquet, le patron des arbitres, qui nous écoute. Ah, quelle est importante cette tentative. Et ça passe ! Égalisation ! Deuxième période de la prolongation. Roff égalise. Les deux équipes. Vous voyez ces gestes qui coûtent cher, c'est des gestes de fatigue, c'est pas intentionnel, c'est pas méchant, mais la fatigue étant là, c'est là qu'on perd en sérénité et qu'on commet des fautes qui coûtent cher. Les deux équipes à 22-22. Deux essais, cinq pénalités, deux transformations de chaque côté. On joue au sol. Eh oui, on joue au sol côté Agenais. On est fatigué, les organismes, et c'est normal. Je vous lis le règlement. Si l'égalité persiste, sera déclaré vainqueur. L'équipe qui aura inscrit le plus grand nombre d'essais au cours de la rencontre. Égalité. L'équipe qui aura réussi le plus grand nombre de buts de pénalité au cours de la rencontre. Égalité. L'équipe qui aura réussi le plus de drops, il n'y a pas de drop. L'équipe ayant eu le moins de joueurs exclus définitivement au cours de la rencontre, il n'y a pas d'exclus. Et l'équipe ayant réussi le plus grand nombre de tirs au but. Donc ça sera le cinquième cas de figure dans cette hypothèse. Vous croyez qu'ils ont répété les tirs au but là comme on fait au foot? Je ne suis pas tout à fait certain. De ce point de vue-là, il y a encore quelques progrès à faire. Alors comme vous voyez, la réaction de la Gisquet sur le but de Roff, qui lui a manifesté extérieurement, et là,
Laurent Rodriguez, tranquille, force tranquille, lui, savoure à sa façon. Comme en 84. On va bientôt se retrouver. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu une finale au tir au but, mais on n'y est pas encore. C'était vos débuts, Pierrot. C'était mes débuts, ouais. Enfin, à la télé. Oui, tout à fait. T'es petit, vous savez. Et moi, dans le rugby. Oui, parce que Coudert avait arrêté en 83. Allez, on n'est pas là pour nous, on est là pour surtout la regarder. Oh là, et ça joue. Chouchant, fin du temps réglementaire, c'est maintenant le temps additionnel. Il reste combien de temps? Se met pour le drop, non? Additionnel. Continue à jouer, fouet l'autour. Boum, ça avance, c'est costaud, c'est physique. Oh, Thierry Bancou, il est éteint. Hein. Mazas. Oh, il a vu le petit trou. Oh, qui l'a vu? Se rappelle au souvenir, c'est un très garneuf aussi, même si c'était un bon 10. Et puis les Biarro, là, ils peuvent mettre les Agenais à la faute, même s'ils n'arrivent pas à passer pour l'essai. Donc ils sont plutôt en situation. Il faudrait se rapprocher des poteaux pour le drop, messieurs, si vous voulez gagner. Ou provoquer la faute des Agenais. En tout cas, le temps travaille pour Biarritz en ce moment. Voilà une bonne opportunité de se mettre en profondeur pour le drop. Il n'y pense pas, si. Si, si, il y a Mazas, me semble-t-il. Qui s'était positionné, Norroy, on peut pas perdre le ballon. Non, non, les Bleus, non. Comme drop, le refrain, le drop de Mazas. Et le voilà. Le voilà, le drop, il s'était positionné. Et c'est fini. Il s'était positionné, Mazas. Et grâce à ce coup de pied magique, Mazas donne le titre de champion de France à Biarritz. Biarritz, vainqueur du bouclier de Brennus pour la première fois depuis 1939. Le troisième titre de Biarritz après 1935-1939. Le troisième titre de Biarritz après avoir monté le bouclier en 92. Pierre, oui, Thierry Bancou, vous êtes ressuscité. C'est magnifique. Oh putain. Thierry, qu'est-ce qui t'arrive? Je pense à ma famille, on va créer de l'île. Aujourd'hui, on a tout donné. Le travail qu'on a fait cette année, ça a payé. C'est formidable. Tous ces supporters qui nous supportent, ils ont mérité cette victoire. Merci. Félicitations. Il est émouvant que les autos. Ah, ce force. Bah, allez, Laurent, allez, tiens. Jean-Michel. Il est émouvant que les autos dans ces moments-là. Voilà, viens là. C'est malheureux, la détresse, déception à Genèse, c'est vrai. Jean-Michel, ils auraient pu tout aussi bien la gagner cette finale. Malheureusement, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Je vois Christophe Delon qui fait le tour des siens en ce moment. Oui, Pierre. Oui, bien sûr. Peut-être avec Jean-Michel Gonzalez. Jean-Michel, celle-ci, vous êtes allé la chercher au plus profond de vous-même. Oui. Je ne suis pas rendu compte que c'était fini et que les champions de France. Je ne sais pas comment on peut pas. C'est pas, bah oui, c'est bon, on va lui donner le mode d'emploi. C'est bon. Il peut toujours demander au Stade Toulousain. Biarritz qui s'était qualifié, qui avait été éliminé en quart de finale il y a 2 ans, éliminé en demi-finale l'année dernière et qui cette année va jusqu'au bout. Pierre, voilà, sur ce drop de Mazas. Pierre, oui. Un mot avec le lévrier, Philippe Bernatsal. Philippe, cette fois-ci c'est fait. Quel match, quel suspense. Bon, je ne sais pas combien de crises cardiaques on a dénombrées, mais alors vraiment c'était très très difficile, vous vous êtes arraché. Ouais, c'est magique. Quoi. Je sais pas quoi dire, voilà, c'est. Merci à tout le monde. Merci. Regardez ce stade en fait. C'est ça la beauté de rugby. Il n'a pas touché de ballon Bernatsal et il remercie le public. C'est ça le rugby, cette communion de toute une ville avec un club. Et ils vont continuer toute la nuit, vainqueurs et vaincus. Tous ceux qui aiment le rugby et qui vont se retrouver autour de la quatrième mi-temps qui va bientôt commencer. Peut-être pouvons-nous d'ailleurs appeler, s'il nous entend, Serge Simon à Bordeaux qui va nous expliquer ce qu'est cette quatrième mi-temps. Serge Simon, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Apparemment, il ne nous entend pas encore, alors on va rester évidemment avec les supporters basques. Et les chants, ça va donner ce soir, les chants basques. Et les chants, et quand Serge Simon nous entend, eh bien, il nous dit comment va se prolonger maintenant cette nuit, Serge. Oui, Pierre. Oui, expliquez-nous, Serge. Expliquez-nous ce qui va se passer maintenant. Est-ce que vous m'entendez, Pierre? Oui, la réponse est oui. Ben très bien. La réponse est oui. Eh bien, la quatrième mi-temps, c'est parti à Bordeaux. Bonjour Pierre, bonjour Thierry.
On est ici à Bordeaux, dans un endroit quatrième mi-temps. La quatrième mi-temps, c'est la fête qui continue jusqu'à la fin de la nuit. C'est une des valeurs du rugby. C'est vraiment cette capacité des rugbymen à se retrouver après les matchs, à échanger, à fêter. Et je crois que c'est une valeur fondamentale du rugby qu'il faut porter en avant, qu'il faut valoriser. C'est ici, c'est à Bordeaux, c'est partout en France. Ça a été à Paris, aujourd'hui, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Je crois que pour une première année, c'est une réussite. Et l'année prochaine, on fera encore mieux. Encore bravo à Biarritz. Très, très grande finale. Merci, je vous entends mal, Pierre. Merci, Serge. Et pour que la fête soit réussie, juste un petit conseil en passant. Faites la fête. Vous devez la fêter, cette fête du rugby. Mais surtout, si vous avez un pote, dites-lui, ne conduis, ou tu conduis, ou tu ne conduis pas. Mais si tu conduis, tu ne bois pas et tu nous ramènes tous. Pierre. Oui, Serge. Tu as raison, Pierre. Pierre. Amusez-vous bien. Oh, un petit mot tout de suite avec Olivier Roumat. Olivier, on est en direct. Une fête magnifique, une partie incroyable. Je vous ai vu donner une accolade terrible à Jean-Michel Gonzalez avant le match. Et vous vous êtes agenouillé à la fin. Vous l'attendiez, vous avez tout fait. On l'attendait pas de jouer prolongation, mais bon. Je suis très content parce que ça fait 15 ans que je cours après ce titre de champion de France. Et c'est vrai que... Bon, mais le travail paye, c'est la leçon d'aujourd'hui. J'ai quand même une petite pensée pour les Agenais qui méritaient autant que nous, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il faut en gagner en perdant. Je suis très content pour mon fils qui a vu le titre, son papa qui a gagné le titre de champion de France. Et voilà, je lui dédie le bouclier à Alexandre. Bon. Merci beaucoup Philippe, merci pour cette leçon de fair play. Pierre. Oui, Jean. Oui, mais avec le cas Genet, Philippe Benetton, qui avait été champion de France en 88, vous y avez cru jusqu'au bout, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Vous l'avez vu comme moi, non? Oui. Il y a eu un match dur, très physique, on a essayé de faire ce qu'il fallait. Il y a des fautes qu'on a faites, d'autres qu'on... je sais pas pour limiter, mais enfin, tant pis, on a perdu, ils sont meilleurs que nous, point. Merci Philippe, amer. Oui, il y a de la déception, je le comprends, parce que c'est que les années comptent double maintenant, à 34 ans, Philippe Benetton, qui était champion de France en 88 d'ailleurs, je le rappelle au passage, il a déjà soulevé le morceau de bois, oui. Vous voulez une image? Regardez, oui, regardez les lèvres de Serge Metsen. Oui, mais il faut que Serge Metsen Marais Salève chante en basque. Hein. Alors, il paraît qu'il faut que vous chantiez en basque. Et ouais, j'essaie de chanter en basque, mais bon, là j'ai plus de force. Ah si, dur, Serge. Trop dur. C'est un des matchs les plus difficiles. Allez-y, c'est magnifique. C'est super, c'est génial. C'est génial. Parce qu'il chante très bien en basque, hein, Thierry Blanco, vous pouvez le confirmer, parce que vous faites partie de la même chorale. Oui, exactement.